Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau vlog de gros et aujourd'hui je suis chez Mister Food à Mons-aux-les-Mines. Et je ne suis pas venu seul, bien sûr, j'ai amené mes gros de Molinet, monsieur Michel Bruno, monsieur Liam, tout mignon comme ça, et la petite princesse Mia. Coucou Mia! Alors je précise, ce qu'elle tient dans les mains, c'est pas le menu. Et donc pour les petits, on a pris un petit menu enfant classique. Hein. Et les guerriers, là, on a pris une spécialité du coin. Donc déjà, tout est fait maison, c'est ça qui me fait plaisir. Et ce sont des burgers faits avec des nanes. Donc le nan que tout le monde connaît, et ils font des burgers avec. Regardez ça. Et puis pour la boisson, mon ami Michel Bruno a pris un coca. Et puis moi, bon, bah voilà, j'avais déjà ce qu'il fallait. Donc. Alors la particularité, en fait, c'est qu'ils font le nan eux-mêmes. Et il propose une option à 50 centimes, c'est qu'il rajoute de la kefta, donc de la viande hachée. J'ai pris l'option. Alors, vraiment un tout petit bémol parce qu'il en fallait un. Le service est un tout petit peu long, mais comme c'est du fait maison, on comprend et je préfère qu'ils prennent leur temps et que ce soit bon plutôt que ce soit rapide et industriel. Là, il n'y a pas à dire, franchement, Mia, elle est au top, tu vois. 3 ans, déjà un iPhone. La bouffe vient d'arriver. J'avoue que le service a été long, mais vu la gueule du truc, je pardonne. Bon, comme d'hab, ils m'ont mis des frites. Hein. Allez, je m'en occupe. Ah, on y voit mieux. On passe au burger. Alors, c'est très bon, mais en fait, j'ai essayé de le manger à la main et ça dégouline pas mal parce que c'est vraiment onctueux et super. Il y a des bonnes sauces dedans et c'est fait maison, on le sent. C'est pour ça qu'ils mettent un peu de temps à le préparer. Et franchement, je leur pardonne. Maintenant que j'ai goûté, je leur pardonne à 100%. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais le faire à l'ancienne avec des couverts. C'est pour ça qu'ils ont fourni d'ailleurs. Alors, à la mi-temps, mon verdict, c'est que j'ai envie de voir la fin du match. Et vous, monsieur Michel, comment ça se passe-t-il? Moi, j'ai fini le match. Bah oui, fini le match déjà. Mais moi j'ai fini les frites. J'ai marqué quel but? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça pour remplaçant. Exactement. Et ben voilà, vas-y, attaque les remplaçants. Et je demande aujourd'hui l'avis de notre experte Mia, voilà, qui a pris un menu. Alors malheureusement, il n'y avait plus de nuggets, elle a pris des tenders à la place. C'est bon Mia? Oui? Je crois que c'était un oui. Un oui timide, mais un oui. Et le pou Mia, il a aimé le repas ou pas? Parce qu'il a l'air de faire la gueule. Hein. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment se fier à l'avis d'un pou? Hein, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Rassurez-vous, celle-là n'est pas dans mon spectacle. Alors, mention spéciale pour la galette de pommes de terre rosti qui se trouve dans le burger. Franchement, c'est excellent. La galette rosti comme ça, elle est croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Une réussite. Mon petit Mich-Mich, comment ça se passe avec les remplaçants? Ah bah écoute, il en reste de moins en moins des remplaçants. Ouais, hein. je vois ça. Ils tombent les uns après les autres. On va pas finir le match à 11. Hein. En plus, carton rouge. Eh ben oui, eh ben bien joué, bien joué. Je voulais vraiment pas partir comme un voleur après ce repas, donc j'ai pris des tenders. Et ils les font maison, et c'est trop beau. Et ils m'ont filé une petite sauce fromagère pour aller avec, faite de ce matin. Sublime. Alors, la panure juste comme il faut, pas écœurante ni rien. La sauce fromagère, elle passe crème, donc vraiment une réussite, je vous conseille des tenders. Une petite touche sympa, c'est qu'ils mettent des petits rince-doigts, voilà, pour tout le monde, donc c'est cool. Et avec mon ami Michel Bruno, on a bien mangé et je vais lui demander son avis. Dis-moi tout. Bah écoute, je suis gavé. T'es gavé? On a cet endroit à peine une demi-heure de chez nous. Et Donc Mons-aux-les-Mines, hein, n'hésitez pas, tous ceux qui sont autour, n'hésitez pas à venir et puis tester le burger nan qui est très très bon. Qu'est-ce que t'as pensé du burger toi? Tip top, je reprendrai ça la prochaine fois, en plus sauce harissa, je sens plus mon palais, j'adore. Nickel. Bon mesdames et messieurs, pour ma part j'ai vraiment kiffé aussi et je vous recommande le Mister Food à Mons-aux-les-Mines. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog de gros, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions et tout. Bis à tous, même à toi là-bas.